Uno. Le soleil brille, on vient de se réveiller. Coucou les filles. Enfin, un gros câlin du matin. Et vous vous souvenez, on a fait hier un petit vlog surprise. Où sommes-nous? Eh bien aujourd'hui, c'est l'heure de vous dire. On va aller prendre le petit déjeuner. Nous sommes toujours dans cet hôtel. Et nous allons passer le week-end. Où ça? À Port-Aventura. À Port-Aventura, c'est un parc d'attractions en Espagne, près de Barcelone. Regardez, il y a aussi Ferrari Land qui est juste à côté. On va faire les deux thèmes. J'ai eu la chance de faire Ferrari Land à Dubaï, moi. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Oui, ça va très, très vite, très, très fort, très, très haut. On va s'éclater. Allez, c'est parti. Déjà, on va prendre un petit déjeuner, mais ça, on fera une morning routine spéciale pour le petit déjeuner dans une autre vidéo. Là, on va directement eh bien, au lancement de la saison de Port-Aventura 2018. Et c'est la première fois qu'on y va et c'est le troisième plus grand parc d'attractions d'Europe. C'est pas rien. Allez, c'est parti. Et c'est Woody. Woody, vous savez Woody Woodpecker? C'est Woody et ça fait 20 ans que Woody est bien et partenaire de Port-Aventura. Wow. Il est super joli cet hôtel. Il est grand, il est magnifique. Allez, on va se préparer. Et on va prendre rendez-vous pour aller à Port-Aventura. On a mangé ici, on se fera une petite morning routine de ces quatre. Allez, c'est parti, on est à Port-Aventura et on se dirige vers la navette pour se rendre eh bien, à l'inauguration, au lancement de la saison. Et on est avec plein d'influenceurs du monde entier, voilà, d'Espagne, anglais, italien. C'est très sympa. Allez, go. Allez, on est parti. Francisco Alegre, corazón mío. Eh bien, ça y est, on est arrivé à Port-Aventura. C'est parti, on se dirige vers l'inauguration. Let's go. Je crois qu'on va bien s'éclater. Eh, ça, c'est impressionnant, ça. Ça, c'est pour Calice, parce que c'est un petit peu impressionnant pour Athéna. Ça doit être interdit au moins d'1m40. On va voir ça et on va découvrir. C'est par ici. C'est super joli. Voilà, ça y est, là on attend, on est dans le coin des influenceurs. Allez, on se dirige vers le protocole. Ouais. Il y a Woody qui nous attend. Allez, viens. Ça passe. Il est mignon, Woody. Allez, check. Ça marche. Bienvenue à Port-Aventura. Bienvenue à Port-Aventura. Ok, d'accord, merci. On a fait le protocole. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'accoupement. Donc là, on s'extirpe du coco. Merci. Donc là, on rejoint le groupe d'influenceurs. C'est bon? Là, c'est la cérémonie. Les 20 ans de Woody. Ah,
Ça y est, on commence donc par Ferrari Land, le parc qui est juste à côté donc de Port Aventura, enfin, c'est côte à côte. Donc Ferrari Land, je pense que ça va être très 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 sympa et très rapide. Et d'ailleurs, Caïs et Athéna sont déjà là. Donc regardez celui-là, il est immense. J'espère que Caïs pourra le faire, en tout cas pour Athéna. Elle est encore un peu petite. Et le Formule 1 Ferrari qui, voilà, qui annonce la couleur, là, le rouge d'ailleurs. C'est parti. Et là, même à Barcelone, il y a des fans. Une fan algérienne. Gros bisous à tous les Algériens. Merci. Vous êtes en vacances? Oui. Ouais. Beau, pour moi j'avais plus de boutons, mais nous on a froid à Paris. C'est pas beau à Paris. Ouais, non. Il fait froid. Barcelone, il fait toujours beau. Ouais, comme en Algérie. Ah, voilà. Comment tu t'appelles? Chérine. Et t'as quel âge? 9 ans. Ah, ça fait plaisir. Oui. Lara. Et t'as quel âge? 6 ans. Attends, et tu regardes aussi sur les Bubble Tea? Toutes les deux? Bah oui. Ouais. Bah, elles l'ont reconnu aussi, hein. Ça nous a fait plaisir. Au revoir. Hein? Même en Espagne, il y a plein de petites fans. Ça fait plaisir. Papa, ça a l'air dingo. C'est complètement dingo, Red Force. Allez, on va faire Red Force. Le départ est ici. Regardez comme c'est beau. Et hop là. Ça monte tout là-haut. C'est parti. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Allez, on descend, ascenseur, l'ascenseur le plus rapide du monde. Wouhou. Ouais, yes. Ça ressemble un petit peu à celui de Dubaï, mais je ne sais plus si c'est exactement le même. Allez, je vais vous mettre un extrait, je crois que j'avais filmé, de ce que j'avais fait à Ferrari Land à Dubaï, maintenant. Avec Calice pendant que Athéna tu vas venir dans les gradins où on était tout à l'heure et tu vas nous regarder, d'accord? Ok, allez, c'est parti. Italia. Bon, alors là, ça y est, on est dans la file d'attente du Red Force à Ferrari Land, l'attraction la plus rapide de Ferrari Land. C'est très 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 impressionnant. Donc pour information, à Port Aventura à Ferrari Land, on peut pas filmer à l'intérieur des attractions, des manèges par mesure de sécurité. Donc on va essayer de filmer au mieux les départs, les arrivées, l'ensemble, voilà, faire une présentation du parc. Et je vous invite bien sûr à vous rendre à Port Aventura pour vous rentrer dans ce que ça donne. Et c'est parti, on monte à bord. Parti. Bon, en attendant, j'ai garé ma voiture ici. Oh, la bonne blague. Oh, j'espère qu'on ne la volera pas. J'espère que j'aurai pas un PV, je suis bien garé là. Ça a l'air d'être bien. Ok, allez, on va manger. Et ça, c'est ta voiture, Athéna? C'est une Ferrari aussi? Donc, en tout cas, pour Ferrari Land, déjà c'était à Abu Dhabi où j'étais allé, c'était pas Dubaï, hein, c'est pas très loin. Et je me
me suis voilà, vêtu forcément de la tenue qui va bien. Hey les filles, ça c'est pas un manège, il faut sortir maintenant. Hein. Non, c'est pour les. Ah non, j'allais dire, effectivement, c'est pour les personnes handicapées, mais pilotes. Hein. Ah, c'est original. Pour les quoi? D'ailleurs, c'est pour les personnes handicapées avec un casque. Et là maintenant, nous allons déjeuner les filles. C'est ici qu'on déjeune. Et on va au restaurant. Ristorante Cavallino. Ah. Il fait beau aussi. C'est sympa, c'est à l'italienne. C'est grand. Van Storming, Briefing. Oh, on est sous le ciel étoilé. Allez, à table. Ça arrive. Bon, bah ça y est, on a fait nos choix au niveau des menus. Et regardez, l'huile d'olive et le vinaigre. Vinaigre de vin Cabernet Sauvignon. Ça se boit pas, hein, c'est du vinaigre. Et de l'huile d'olive. Voilà, c'est pour faire une petite vinaigrette sympathique. Bon appétit. Miam. J'avais vos petites montres Kiwi, ça marche en Europe en plus, c'est cool. Comme ça, si vous vous perdez, vous m'appelez. Donc là, ben voici mon plat, des petits raviolis aux champignons. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, le Bubble Tea, pour suivre nos aventures sur Instagram, donc Studio Bubble Tea tout simplement. Et pour finir sur une petite touche italienne, ben le petit dessert c'est un tiramisu, on a déjà croqué dedans. Donc là, on va aller faire un petit tour de voiture. Et c'est parti pour Calice au Maranello Grand Race. Allez, Calice va conduire une Ferrari. Coucou Calice. Ah, je peux pas la voir. Bon voyage, bonne route. Va pas trop vite hein, sur la route. Et là, Calice va sortir par là. Calice. Ouais. Oh, un tunnel. Ça va Calice? Et ça y est, elle arrive, je la vois au loin. Elle va vite. Ouais, elle se débrouille bien, hein. Cheveux au vent, lunettes de soleil sur le nez. Après, Athéna, on se ensemble, tu veux? À notre tour, Athéna. Allez, passe Athéna. Normal. Athéna, je filme un petit peu avec l'iPhone, voilà, un petit plan avec l'iPhone. Il y a Calice qui est au fond là-bas qui me filme. C'est trop bien, Ferrari Land. Elle est à fond, elle. Alors, t'aimes bien conduire, Athéna? Ok, c'est drôle, hein. C'est une Ferrari. Il y a Calice qui est là. Coucou Calice, ça va? Alors là c'est la partie qu'on n'avait pas pu filmer. Allez, on est à fond. À fond les ballons au niveau de la manette. Cette partie qu'on n'avait pas pu filmer quand je filmais Calice, parce que là c'est vers le fond du circuit. Très bien, c'est bon, il y a une ceinture de sécurité. Hein. Voilà. Pas de carambolage. Hein. Ah, ça bouchonne à gauche, hein, mais nous on regarde donc tout le monde. Au revoir. Au revoir. Goodbye. Ah bah ça y est, ça s'arrête tout seul. Allez, ça t'a plu Athéna? Oui. Un grand pouce bleu. Wow. Ouais. Super. Et c'est parti Athéna de faire ça. Ah oui. Athéna, je t'accompagne. Okay. On se retrouve en haut. Oui. Bye bye Athéna. Hop. Et Calice aussi est parti. Et c'est la course, chacun son départ. Qui aura la coupe de bronze, la coupe d'argent ou la coupe d'or ou la coupe de glace? Il y a plein de toboggans, il y a 1, 2, 3, 4 toboggans. Ah, t'es là? Ouais, je suis là. Il y a un labyrinthe de dingue.
même l'endroit où on peut prendre un petit encart, ça s'appelle le stop and go. Voilà, c'est quand tu passes dans un stand sans changer les pneus, juste pour avoir une pénalité. Donc là, on est entré quelque part. Il y a trop de queue là, hein. Bon allez, c'est parti. En fait, on est rentré dans le Racing Legends. Voilà, donc Athéna a le droit de le faire. Et après, on ira peut-être faire le Flying Dreams. Et là, Athéna n'a pas le droit de le faire juste avec Calice, mais on va voir, c'est pas sûr. Allez, c'est parti. Donc après avoir fait Racing Legends, maintenant on va faire Flying Dreams. Donc Racing Legends, c'est une simulation, c'est un simulateur en fait en 4D. On reçoit de l'eau, de l'air, ça bouge, etc. Et maintenant on va voir ce que c'est. Ah bah c'est la même entrée, sauf que là on va à droite. Et ça y est, on sort eh bien, du Flying Dreams. Et franchement c'est très sympa en fait, on sait pas trop ce que c'était, on y va au hasard. Et c'est un peu comme le Soaring, si vous connaissez, à Disney World en Floride ou à Los Angeles. Voilà, quand on vole dans un grand manège avec un énorme écran, on a l'impression de voler dans l'écran, c'est ça. Ouais. Et c'est très très sympa, il est très bien le film. Un petit peu comme au Futuroscope aussi, au Futuroscope, il y a exactement le même genre. Donc, entre les deux, si jamais il y a la même attente, moi je vous conseille Flying Dreams. Et vous avez préféré lequel? Oh, bah le deuxième. Le deuxième aussi, et toi Athéna? Ouais, le premier est sympa aussi, c'est un simulateur, ça bouge un petit peu plus, c'est en 3D. En 4D même, parce qu'on reçoit de l'air, de l'eau, des odeurs. Et voilà. Et là on va quitter Ferrari Land. Là en fait ça représente l'avant d'une Ferrari. C'est pas évident comme ça vu de dessous. Mais vu de dessus, on le voit dans le film d'ailleurs. Vu de dessus, on voit que c'est un capot. Il y a des petits oiseaux sous la poubelle. Ah oui, exact, il y a des petits oiseaux. Donc là on va aller au... On enlève les mots de la bouche. Donc on n'a pas tout fait ici, parce qu'il y a plein d'autres choses. On peut changer les roues d'une Ferrari. Voilà, on peut faire un challenge comme ça. Là il y a les boutiques merchandising. Là il y a le petit restaurant Pit Lane. Il est pas super grand mais il est très sympa. Ouais, mais hey, ça fait qu'un an qu'il est ouvert, hein. Une seule année, donc il va s'agrandir. Il est en train de faire une partie réservée aux juniors, qui est encore en travaux, qui est pas complètement ouvert. Mais ça, c'est on va faire un petit tour au store. Wow. En fait ça c'est que des choses Ferrari. Voilà. Donc là si vous êtes un aficionado de Ferrari, vous trouverez votre bonheur. Oh. Ah, vas-y j'essaye. Vas-y monte dedans. Ah elle roule en plus. Ah oui parce qu'on peut l'acheter. Elle est peut-être pas chargée. Parce que ça se recharge évidemment. Voilà, il y a des casques, il y a des mugs, il y a des t-shirts, il y a plein de trucs pour les enfants, pour les adultes. Bon on va pas tout filmer, maintenant on va passer. Alors, Port Aventura, allez, c'est parti. Ah, ok.